Salut tout le monde, on part pour un nouveau One CC. Cette fois ce sera sur Shikigami no Shiro 3, Castle of Shikigami 3 en anglais, qui est disponible sur PC, sur 360 et sur Wii. Notez que sur Wii il existe une version en américain, hein, qui a été sortie par je sais plus qui, UFO sûrement, je ne sais plus. Mais en tout cas c'est intéressant puisqu'il y a beaucoup de scénarios dans le jeu. Pourquoi le choix de Shiki 3? Ben déjà parce que je trouve que c'est un jeu qui est injustement sous-estimé. Vraiment, hein, il y a énormément de façons de jouer, de la façon la plus simple qu'on va voir maintenant, jusqu'à la façon la plus complexe. Il y a vraiment des persos très difficiles. C'est ensuite une série qui est quand même célèbre, qui marche bien, surtout son épisode 2, hein, qui a été un vrai succès sur Dreamcast, hein, notamment. Et bah voilà, c'est sur des jeux que j'aime bien. Notez que le jeu devait sortir en Europe, hein, l'an dernier par P-Cube, édité par P-Cube, et finalement c'est tombé à l'eau. Le jeu a disparu du planning. C'est vraiment dommage. Il serait été la version Wii. Et en anglais donc, et c'est vraiment dommage que le jeu soit pas arrivé jusqu'à nous. Moi je trouve que c'est vraiment un jeu adapté aux débutants comme vraiment au meilleur. Il y a beaucoup de choses à faire, le système est basé sur le scratching, ce qui est donc déjà, hein, en soi une recherche de difficulté quand on veut scorer, parce que le scratching, je vous rappelle, c'est le fait de jouer au plus près des boulettes, ou au plus près des ennemis. Et donc voilà, on peut vraiment aborder le jeu de différentes façons. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, on peut jouer à deux, il y a différents modes de jeu. Notez, tiens, que les versions console, hein, 360 et Wii, permettent de jouer avec un perso supplémentaire, Munchausen, qui est une vraie gageure, hein. Là, c'est sans doute avec lui que le jeu est le plus difficile, son attaque spéciale est très complexe à gérer. Et il y a aussi un mode supplémentaire, le Dramatic Change Mode, sur les consoles, qui permet de jouer avec deux persos en même temps. Enfin, vous alternez avec un bouton, l'un ou l'autre perso. Et c'est assez utile, assez sympathique au niveau scénario d'ailleurs, puisque ça développe des histoires entre les persos. Et c'est ce qu'on va jouer aujourd'hui. Donc sur PC, vous pourrez pas faire ce qu'on va voir là, mais c'est sans doute la meilleure façon d'aborder le jeu, dans un premier temps en tout cas, puisque la façon de jouer là n'est pas très gratifiante. Une preuve d'ailleurs, tiens, que le jeu est très sous-estimé, c'est que là j'enregistre le run sur la version 360, une version qui a un leaderboard online, et il n'y a personne dans les scores. C'est hallucinant. Là, avec le score que je vais faire sur le Dramatic Change Mode, je suis 12e mondial. Ce qui est nul, enfin j'ai fait aucun score, hein. C'est vraiment dommage. Et n'empêche que ben voilà, j'espère que ce run va vous permettre de découvrir un peu le jeu et de vouloir vous y coller. On trouve pour une bouchée de pain, hein, sur Wii en version US, vraiment il coûte pas cher. Et c'est parti. Alors donc pour rappeler brièvement, hein, le système de jeu, vous avez un perso à la fois. Vous, avec le bouton de tir automatique, vous tirez normalement, en suivant les persos, ça dépend. Tiens, là vous voyez, j'enlève les stage animaux, c'est-à-dire les dialogues entre les persos. Hein. Pour le One CC c'est pas utile parce qu'il faut avouer que ces dialogues sont très longs, surtout en japonais. Si vous les avez en anglais, relativement utile, si vous aimez ça en tout cas, hein, parce que c'est vrai que ça casse quand même beaucoup le rythme du jeu, c'est très long les dialogues. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. Ben, pour le système de jeu, on verra après. Tiens, là, vous le voyez, j'ai choisi Nagino avec sa première attaque spéciale et Sasuke, Roger Sasuke, avec lui aussi sa première attaque spéciale. C'est avec ces deux-là que le jeu va s'avérer le plus simple à jouer en Dramatic Change Mode. En gros, hein, la technique, c'est tous les niveaux avec Nagino et les boss avec Roger. Petit clin d'œil ici, vous voyez, à Triangle Service, le robot qui était sur la gauche de l'écran. Pour ce qui est du tuto et du système pour scorer, etc., je vous renvoie au tuto que j'ai fait sur le site en fait, hein. J'ai fait un tuto assez détaillé, assez complet sur comment scorer, comment jouer, qui jouer dans le jeu. Donc je m'attarderai pas sur ces aspects là, par exemple sur le High Tension Max qui permet de claquer une bombe pour scorer, enfin bref, sur le suicide, etc. Encore que le suicide j'en parlerai, mais pas pour scorer. Et voilà, donc vous le voyez ici, je joue avec Nagino. Quand je suis au plus près des boulettes, vous voyez que je deviens, enfin vous voyez, mon tir devient plus puissant, la partie centrale de mon tir devient plus puissant. C'est valable pour tous les persos. Quand vous êtes au plus près des boulettes, vous appliquez sur les ennemis un multiplicateur par 8, vous voyez en haut de l'écran, et votre tir devient plus puissant. C'est très utile sur certains boss par exemple. Ensuite, si je maintiens le bouton de tir appuyé, alors je change de perso puisqu'il y a un mid-boss qui arrive. Là, je ne tire pas avec le tir automatique de Sasuke, ça ne sert à rien. Je charge son Shikigami. C'est le fantôme que vous voyez dans lui qui charge des mines. Et ces mines, je les balance sur l'ennemi. Et vous voyez la jauge de vie d'ennemi qui baisse, mais incroyablement vite. Effectivement, les mines du Shikigami de Sasuke sont les armes les plus puissantes du jeu. Les boss ne font pas un pli. C'est hallucinant. Une fois ce mid-boss terminé, je vais repasser avec Nagino pour la suite du niveau. C'est assez simple. Les deux premiers niveaux ne posent de toute façon aucun problème. Alors, petit détail,
Vous voyez en bas à gauche, la jauge de vie de votre perso sont les rectangles bleus. Vous avez 3 rectangles bleus, c'est la jauge de vie de votre perso. Les rectangles verts, vert pâle au-dessus, ce sont les bombes dont vous disposez. Vous voyez qu'il y a un de ces rectangles verts qui se remplit en ce moment d'un vert encore plus pâle. En fait, ce sont les X-Tend que vous voyez apparaître comme ça. Il y a beaucoup d'X-Tend dans le jeu. Le premier est à 200 millions et les suivants sont à 400 millions. Avec une exception à 2 milliards. Quand vous touchez 2 milliards, vous avez un X-Tend supplémentaire. Bug, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, il y en a un supplémentaire à ce moment-là. Peu importe, il n'est pas très important. Déjà, tous les 400 millions, c'est vraiment utile. Donc le premier à 200 millions et tous les autres tous les 400 millions. Je disais donc, vous voyez ces X-Tend approcher puisqu'ils se remplissent. Chaque X-Tend va vous donner une bombe supplémentaire et un carré de vie supplémentaire dans la mesure où vous en avez 3 maximum de carrés de vie. Il est utile dans le jeu de se suicider. C'est ce que je vais faire d'ailleurs sur le premier boss. Pourquoi ? Parce que quand je me suicide, quand je perds une vie, je gagne une bombe automatiquement. Donc là, je vais me suicider. J'aurai donc une bombe supplémentaire. Et puis l'extend n'est pas loin. J'aurai donc, grâce à cet extend, en plus une bombe supplémentaire. Et je récupérerai la vie que j'ai perdue en me suicidant. J'aurai donc à la fin du boss toutes mes vies. Là, je me suicide, vous voyez. J'aurai donc toutes mes vies et toutes mes bombes. Chose que je ne devrais pas avoir normalement si je ne me suicide pas. Alors vous le voyez, Nagino, son Shikigami, son attaque Shikigami est dirigé par un petit lapin qu'elle a sur le dos. C'est en fait un bouclier. Un bouclier qui est frontal si vous choisissez l'attaque numéro 1. Ce bouclier, on va utiliser ce que je vais appeler la technique de la pelle. C'est assez simple. Vous êtes en bas à l'écran, vous activez le bouclier et vous montez. Vous creusez dans le pattern. Quand vous arrivez à la fin de votre bouclier, vous avez en fait une jauge hein, tout autour d'eux. Vous relâchez le bouton de Shikigami. Toutes les boulettes absorbées repartent vers des ennemis. Et vous, pendant ce temps, vous reculez, puisque vous avez libéré de l'espace dans le pattern. Ce sera beaucoup plus visible sur les autres. Hein. Et vous voyez, sur les autres formes du boss, où il y a quand même très peu de boulettes, j'utilise Sasuke, qui est nettement plus efficace et plus rapide pour finir le boss. On est déjà au deuxième niveau. Notez que, vous voyez, quand vous avez une aura autour de votre personnage, c'est qu'il est invincible, vous ne pouvez pas changer de perso à ce moment-là. C'est très pénible, parfois, au niveau des boss, sur les timings, au tout début des boss, etc. Mais bon. On s'y fait. Vous allez voir, je perds beaucoup de vie, hein. Je me suicide, je me fais toucher parce que je joue un peu par-dessus la jambe. Le fait d'avoir énormément d'X-Tend dans le jeu hein, fait que on joue vraiment sérieusement bah, quand on a plus de vie. Quoi. Quand il nous reste une vie au compteur, là on joue sérieusement. Le jeu n'est pas très chargé, en tout cas dans ses premiers niveaux, même dans le dernier niveau d'ailleurs, hein, c'est quand même assez abordable, même si vous jouez un perso qui n'a pas de bouclier. Et donc c'est vraiment un jeu hein, qui est adapté au NCC, mais aussi à tout type de joueur. Hein. Si vous êtes un noob et que vous voulez vous coller à un manique, moi je trouve que celui-là est vraiment bien. Vous trouverez votre bonheur dans les persos, vous trouverez votre bonheur dans le système de jeu et dans les différentes façons d'aborder le jeu. Non, vraiment, hein, y a vraiment des choses à faire. Alors donc vous l'avez vu, hein, c'est vrai que sur l'écran bonus du premier niveau, ben, j'ai passé les 200 millions, j'ai donc récupéré ma vie, j'ai récupéré une bombe supplémentaire. Et comme grâce au suicide j'avais une bombe supplémentaire, j'ai toutes mes bombes ici. Deuxième mid-boss, rien de particulier, encore une fois vous prenez Roger Sasuke, mais c'est vrai que Roger Sasuke ça fait con, hein. Surtout habillé en ninja. Attention à cette forme du boss avec les bâtons, hein. Essayez d'éviter les bâtons, normalement vous avez largement le temps de les détruire comme moi, mais bon, faites-y attention, on se fait facilement toucher. Du fait, vous n'êtes même pas obligé de vous suicider, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, voilà, si vous faites... Prenez en ligne de compte le fait que vous vous fassiez toucher par certains ennemis. Et comme il y a beaucoup d'X-Tend, vous les récupérez. Donc vous n'êtes même pas obligé de gérer le suicide au début. Et on passe. J'aime beaucoup les musiques d'ailleurs. Vous avez le choix d'ailleurs au début du jeu de choisir entre des versions remix de Castle of Shikigami numéro 2 ou les musiques du 3. C'est assez sympa. On repasse avec Nagino, pas de problème. Prochaine extend est donc à 600 millions, je sais plus si je me suicide sur le boss de jeu, je ne sais plus sur ce rang. Notez, c'est dommage qu'il n'y a pas de replay dans le jeu. C'est un peu bête. Alors vous voyez un peu de boulettes, mais bon, c'est un peu voulu puisqu'il y a du scratching dans le système. Si c'est chargé à mort de boulettes dès le début, forcément le scratching se fera tout seul. Hein. Notez que le jeu a été développé par Alpha System, c'est eux hein, qui ont fait la série des Shikigami. Mais cette fois avec l'aide de Skonek. Je connais qui sont des pros du scratching, hein. C'est eux qui ont bossé notamment sur les Saivariar. Les deux jeux principaux du scratching hein, aujourd'hui. Saivariar 2 c'est un must absolu à connaître. On arrive au boss, toujours Sasuke. Alors pour ce 1cc, hein, je ne m'embête pas trop, je vais claquer des bombes, puisque de toute façon on les récupère en suicidant, en
claquant les XTN. Notez que les attaques de ce boss avec les aigles, il va envoyer des aigles de feu en fait, ces attaques ne peuvent pas être absorbées par le bouclier de Nagino. De même que ces espèces de double sabre, comment appeler ça. Là je m'en prends une, j'avoue que je sais même pas si c'est fait exprès ou quoi. Non je crois pas, ça m'étonnerait. Mais peu importe, hop. Deuxième forme, alors deuxième forme vous devez attendre qu'il apparaisse devant vous, plus près de vous en tout cas. Puisque vous voyez il a bloqué votre attaque, ça sert à rien de tirer avant. Et voilà. Troisième forme, vous claquez un maximum de mines avant et je déclenche ma bombe pour ne pas trop avoir à slalomer, c'est beaucoup plus facile. Notez que pour progresser, tiens, je vous conseille de jouer Nagino, Nagino tout seul, si vous jouez sur PC par exemple. Hein. Mais en fait voilà, Nagino a de bonnes opportunités pour s'échapper des patterns grâce à son bouclier, mais ceci est un perso correct pour démarrer. Il a un tir large, ce qui permet donc de couvrir pas mal de surface à l'écran. Et il est assez lent dans ses déplacements, c'est une bonne chose je trouve. Sasuke par exemple est beaucoup trop rapide hein, à jouer dans les niveaux, à jouer normalement quoi. Ses déplacements sont vraiment vraiment rapides, on s'en prend une à chaque fois sans le vouloir, c'est un peu pénible. Hein. D'ailleurs là, des difficultés de ce 1CC, s'il y en a, c'est d'alterner entre Nagino qui est un perso lent et Roger, et Sasuke qui est un perso très rapide. C'est pour ça que Sasuke je n'utilise que sur les boss et je me déplace très peu, je fais très peu de slalom avec lui. Parce que comme il est très rapide, d'un seul coup la vitesse change, c'est assez difficile à gérer. Niveau 3, un niveau 3 particulièrement pénible quand on démarre, puisqu'en fait c'est le seul qui a des décors contraignants, c'est un espèce de labyrinthe, hein, vous le voyez. Et du coup, il faut slalomer un peu, d'autant que pour faire apparaître le décor, vous devez tirer sur ces, vous voyez, ces cubes qui sont en fait des lanternes indestructibles. Quand vous tirez dessus, le décor apparaît. Si vous ne tirez pas dessus, ou si vous en manquez certaines, eh bien le décor va disparaître, évidemment ça va vous compliquer la tâche. Vous voyez, hein, j'ai claqué une bombe en plein milieu de ce niveau, histoire de faire un peu d'espace. Je l'ai dit, Nagino est un perso lent, on a parfois du mal à aller assez vite et à passer d'une branche du labyrinthe à une autre. Big Boss 3, assez compliqué, en tout cas au départ, dans sa troisième forme, assez compliqué. C'est pour ça que je vais claquer une bombe, hein, si je me souviens bien. Par contre les deux premières formes, vous voyez avec Roger ça fait pas un pli, vous décalez ici un peu vers la droite pour rester entre les deux lasers qui vont apparaître tout en chargeant vos mines et c'est parti, hein. Voilà. Troisième forme, la troisième forme en fait il faut vraiment viser la tête cette fois. Et là j'ai balancé mes mines trop tôt. De fait comme l'ennemi se déplace et que vous devez slalomer un peu, il est difficile de viser la tête. Alors je claque une bombe pour être évidemment efficace. Il me reste un petit bout de barre, je charge des mines et c'est parti. Ne vous souciez pas de la fin du pattern puisque vous êtes invincible en fin de boss. Hein. Un jeu tout à fait tranquille hein, jusque là vous le voyez. Beaucoup de vide, c'est un peu dommage ça aussi. Hein. Les intros des niveaux comme là, hein, c'est vraiment long. Peut-être ça qu'on peut lui reprocher, il manque vraiment de nervosité. Quand vous êtes en plein slalom, en essayant de scratcher, etc. Il y a un vrai kiff, un vrai plaisir. Mais voilà quoi, il y a des sections un peu vides, des sections un peu trop faciles, un peu trop simples. Un peu dommage, le rythme est pas excellent. Faut dire que le système lui-même... Ouais stupide, hein, je m'en suis pris une, j'aurais pas dû. Passons. Qu'est-ce que je disais? Le système lui-même avec l'utilisation du High Tension Max, encore une fois je vous renvoie au tuto hein, pour savoir exactement ce que c'est, fait qu'il y a des vides exprès dans le jeu. C'est un peu dommage pour un manique de créer des vides à l'intérieur. Là vous slalomez 1, 2, 3, vous allumez vos boucliers pour être tranquille sur la fin. Et voilà, on déroule tranquillement, toujours avec le bouclier une fois de temps en temps. Je me fous dans un coin, je m'en prends encore une, parce que je vous disais tout à l'heure, hein, on joue vraiment en dilettante. Jusqu'au moment où il ne reste plus qu'une vie, hein. Parce que le jeu permet vraiment de jouer par-dessus la jambe, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas de jouer sereinement et sans trop se prendre la tête. Troisième boss, pardon, peu de choses à savoir. Hein. Là vous claquez des mines au début, une série, et vous mettez une deuxième série. Je claque une bombe par sécurité, je pensais pas que mes mines suffiraient à détruire la première barre, c'est le cas. Sinon vous passez avec Nagino, les petites boules jaunes que vous voyez sont absorbables par son bouclier. Deuxième forme, n'envoyez vos mines que quand le perso commence à tourner sur elle, quand la boss commence à tourner sur elle-même. Puis vous continuez avec vos mines tranquillement, hein. Il y a peu de boulettes, vous avez largement le temps de finir cette forme. Troisième forme, vous mettez en dessous du boss et vous balancez des mines encore une fois. Là je me décale comme un imbécile, mais c'est idiot, puisque vous voyez qu'elle balance du gros laser. Mais c'est déjà terminé. Le Sasuke est très très efficace sur les boss, ça. Il ne sert quasiment qu'à ça. En jeu, il est très très difficile à gérer à cause de ses déplacements rapides, je vous l'ai déjà dit. Ne vous fiez pas, enfin, la lettre qui
qui évalue votre score est juste. Ne vous fiez pas par contre à la barre verte. La barre verte évalue votre score en fonction des scores que vous avez déjà établis vous-même. Donc cette barre verte est subjective, dépendra des sauvegardes que vous avez sur votre carte mémoire, tandis que la lettre, elle, est objective. Façon Ikaruga, quoi. Niveau 4, rien de particulier à en dire, si ce n'est que le boss est un peu pénible, on verra exactement ce qu'il faut faire tout à l'heure. Petit détail sur Nagino quand même, vous le voyez à l'écran et vous entendez le bruit que ça fait aussi, quand vous allumez son bouclier, il y a un déoyen, mais pourtant le bouclier bleu en face n'apparaît pas immédiatement, il y a donc un petit décalage entre le moment où vous déclenchez ce bouclier et le moment où il est réellement effectif. Pensez-y évidemment, quand vous êtes perdu dans un pattern, il y a un minimum d'anticipation à avoir pour que le bouclier soit mis en place devant vous, sinon vous allez quand même vous en prendre une. Non, j'allais dire qu'il faut connaître un peu le jeu, du coup, mais non, pas vraiment. Il faut observer les patterns. On peut pas dire que les boulettes soient super rapides, hein, franchement. Toujours pareil, hein. Je me suis fait toucher deux fois dans le niveau précédent. J'ai donc gagné deux bombes supplémentaires, donc n'hésitez pas à claquer des bombes, hein. Vraiment. Vous avez largement ce qu'il faut. Mid-boss très facile. Assez étrange d'ailleurs, alors que le mid-boss 3 était plus difficile. Donc Roger, en bas de l'écran, encore, comme tout à l'heure. Dès que le cercle apparaît, vous lâchez, hop, ça ira claquer au-dessus, puis vous décalez petit à petit vers la gauche pour éviter de vous en prendre quand même. Le mid-boss va ensuite sortir de l'écran, à ce moment-là vous vous alignez, comme je le fais, avec le début de sa barre, en tout cas de ce qui reste de sa barre. Vous mettez au milieu de l'écran et vous balancez, ensuite vous décalez vers la droite et vous balancez cette fois vers la gauche, puisque vous pouvez orienter. Hein. La forme supplémentaire est tout en haut de l'écran, donc pas de problème, dès qu'elle est placée, vous balancez vos mines, et vous continuez. Je me décale, c'est même pas utile en fait. Pour la dernière fois, mettez-vous à droite, ou à gauche, peu importe, mais en tout cas en bas à droite ou en bas à gauche, et vous balancez en diagonale vers le centre, et paf, ça y est, il est déjà terminé. On a quasiment pas vu de boulette, on a quasiment jamais été dangereux, ce boss, et déjà terminé. Et on approche doucement du milliard de points, qu'on aura peut-être tout de suite d'ailleurs, non? Puisqu'un milliard, ouais, effectivement, donc... carré de vie supplémentaire et je récupère encore une bombe, ce qui fait que ma jauge de bombe est pleine. On déroule un peu de bullet herding, vous voyez, vers la droite, vers la gauche, c'est même pas très utile, hein. Le bouclier Nagino il est vraiment de la marge. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la technique de l'appel, vous voyez, vous creusez dans le pattern et vous reculez ensuite. Puis quand vous êtes arrivé en bas de l'écran, vous réallumez un bouclier, histoire de pouvoir recommencer tout simplement. Vous voyez, il y a différentes couleurs de boulettes, hein, verte, rose ici. Souvent c'est une gêne, souvent c'est une complication, hein, pour les gens. Moi ça va mieux, mais c'est vrai que dans les premières années, c'était un problème de se focaliser sur deux couleurs en même temps. Un jeu comme Futari par exemple, à toutes ces boulettes roses, c'est souvent plus lisible et plus facile à gérer. Là, hop, je creuse un peu, mais je vais me faire coincer. Donc bombe, vous voyez, la bombe de Nagino, il est invincible et il balance des bulles. Assez puissante, bizarrement. Mais très difficile à diriger parce que la moindre pression sur le pad ou sur le stick, le décale sur le côté, c'est pénible. Sur ce type de pattern, vous pouvez continuer soit tout vers la droite, soit tout vers la gauche. Mais vous voyez, hein, je manque pas de bombe, je claque. Vraiment, ne soyez pas avare en bombe. Il n'y a pas de bonus d'ailleurs, en fin de niveau ou en fin de stage, ou en fin de jeu, pardon. Il n'y a pas de bonus à avoir plein de bombes en stock. Donc claquez-les, c'est vraiment plus utile. Ici, voilà, vous ne pouvez pas absorber la grosse boule jaune, mais vous pouvez absorber toutes les petites boulettes vertes, donc hop, vous creusez comme ça, vous balancez, du coup c'est un peu long, parce que Nagino n'est pas très puissant. Ici, vous décalez petit à petit, il y a une ligne principale de boulettes, voyez, vous décalez petit à petit vers un bord, et vous avez largement le temps de le finir. Deuxième forme, avec les mines, vous n'aurez même pas le temps de voir les choses les plus offensives. Troisième forme, attention compliquée, placez-vous comme moi, dès qu'il démarre, vous lâchez les mines vers le haut, hop, ensuite vous en lâchez une, mais vers le bas ici, et j'ai loupé, donc je claque une bombe, en tous les cas, il faut claquer une bombe. C'est normalement plus efficace quand vous avez balancé vos mines, puisqu'ici, je suis obligé d'en claquer une autre de bombe. Si j'avais réussi à balancer mes mines vers le bas, j'aurais pu le finir avec une seule bombe. Bon, c'est pas très grave. Ici, hop, je me place en dessous, je balance mes mines et je reclaque mon mine immédiatement pour me coller sur lui. Ça m'évite d'avoir à naviguer dans ce pattern compliqué qui est très proche de moi. Et il est déjà fini. J'ai claqué une paire de bombes ici, hein, mais vous voyez, je passe quasiment sans problème. Boss 4, très pénible, hein. Sans doute le plus pénible du jeu.
Et on attaque le cinquième et dernier niveau. Le début est assez simple, hein, plus facile que le début du niveau 4 il me semble. Et la fin va se transformer en boss rush en fait, hein. Vous aurez différents boss et différentes parties de boss à affronter. J'aime bien les musiques moi dans le jeu. Puis je sais pas, il y a une vraie identité, quelque chose d'original, je sais pas, mais en tout cas, c'est des coréens, hein, voilà, ça aussi, ça aide. Il y a une identité propre d'ailleurs, voilà, qui avait... Ouais, SNK Playmore avait demandé à Moss de faire Neo Geo Heroes et puis... Ah, comment s'appelait ce jeu? Le Sky Stage. Là aussi, il y a une vraie identité d'ailleurs, on retrouve beaucoup de points communs entre les deux séries, enfin les deux jeux, Shikigami no Shiro et puis Sky Stage. Mid-boss, qui est en fait, on va dire, le boss principal. Hein. Hop, vous balancez les mines au début de la forme, puis vous utilisez Nagino pour creuser dans le pattern. Attention, la deuxième fois, ne montez pas trop haut. Je reste en bas. Pourquoi? Parce que le boss descend, sinon vous allez vous prendre en pleine tête. Là, le boss se multiplie, il n'y a que la forme entourée de bleu qui est vulnérable. Je reste au milieu et j'utilise Nagino. Les boulettes ont à peine le temps d'arriver, sinon vous slalomez un tout petit peu, il n'y a pas grand chose à faire. Deuxième forme, vous utilisez Sasuke avec ses mines. Et vous voyez, on a quasiment pas vu les boulettes. Même chose, vous balancez des boulettes, des mines ici, puis vous utilisez Nagino, comme on l'a fait tout à l'heure, pour creuser dans les patterns. Hop, et on descend, et ainsi de suite. Pendant que vous redescendez vers le bas de l'écran, utilisez votre tir normal, hein, ça fait toujours quelques coups de plus dans l'ennemi, histoire de pas perdre trop de temps. Et cette demoiselle, il y a quelque chose qui lui arrive qui est pas joli à voir, elle va se transformer en monstre et c'est elle qu'on va affronter en fait à partir de maintenant jusqu'à la fin du jeu, sous différentes formes. Alors la technique est toujours la même, hein. Au début de chaque forme vous utilisez Roger, là j'ai pas pu changer alors tant pis, je reste avec Nagino, mais si j'avais pu coller quelques mines au début le combat n'en serait que plus rapide. Et toujours pareil, hein, technique de l'appel, hein. Vous creusez, hop, et vous reculez avec le tir de base. Vous creusez avec le bouclier et vous reculez avec le tir de base. Donc là on voit quand même bien les lignes vertes, hein. Vous pouvez facilement s'allumer. Deuxième forme, plus complexe, ici le bouclier n'absorbe pas ces espèces d'épées horizontales. J'utilise donc Sasuke pour balancer des mines. Je m'en suis pris une bêtement, tant pis, et je finis avec une bombe, peu importe. Encore une fois ce boss va évoluer, cette fois il aura une jauge complète, c'est-à-dire toute la largeur de l'écran. Très facile, vous balancez une série de mines, ou voire deux, hein, si j'ai le temps d'en faire deux. Ouais. Puis vous utilisez encore une fois la technique de l'appel. Attention, cette fois les boulettes viennent un peu plus sur les côtés. Donc forcément, cette technique de l'appel qui suit une ligne droite n'est pas forcément utile. En tout cas, utilisez-la mais n'allez pas trop haut, histoire de ne pas avoir des tirs qui viennent vraiment sur vos flancs. Quoi. Boss détruit, on va cette fois, je ne sais pas, changer de décor, de dimension. Je vous avoue que le scénario, pourtant j'ai la version Wii, hein, en anglais, m'a jamais tellement intéressé. Alors un peu de fretin, rien de vraiment dangereux, en tout cas pas ici. Puis on attaque vraiment les choses sérieuses. Alors, chaque partie du boss peut être attaquée d'abord avec les mines de Sasuke. Mais bon, l'écran se charge assez vite, hein, vous le voyez. Alors voilà, jouez la safe avec Nagino si vous n'êtes pas sûr de vos timings. Notez aussi que quand chaque partie est détruite, cette espèce d'œil là hein, sur la planète, les boulettes ne disparaissent pas. Hein. En tout cas, vous n'êtes pas invincible et donc faites attention à la fin des patterns. Les deux yeux ici sont vulnérables. Donc Nagino est parfait, hein. Vous mettez au centre puisqu'il touche avec un tir large, pas de problème, vous creusez au centre. Faites attention aux boules oranges hein, sur les côtés, mais de manière générale, vous ne serez pas trop embêté. Le masque de collision de ces boules oranges est assez restreint. Elles ont l'air grosses, mais vraiment, il faut les toucher vraiment au centre pour se faire avoir. Là, comme ça vient de tous les côtés, vous placez au centre de l'écran et vous claquez une bombe pour faire un peu de ménage. Tant qu'à faire, si vous arrivez à placer votre bombe sur l'œil pour lui faire un peu de dégâts avant, vous êtes tranquille. Ici, pattern assez simple, on peut scratcher assez facilement ici. Hein. Mais bon, encore une fois, pour un one ici, la technique de l'appel. La jauge baisse vite, hein. Vous voyez, hein, la jauge de l'ennemi, cet œil, baisse très très rapidement. A fortiori quand vous utilisez votre Shikigami. Notez que vous scorez plus, vous ramassez plus de pièces et vous êtes plus puissant avec l'attaque Shikigami, c'est-à-dire avec l'attaque secondaire de chaque perso. L'attaque de base est en général assez peu efficace. Ah ben, voilà Sasuke, je claque quelques mines, hop, sur l'œil, la jauge baisse déjà de moitié, j'en claque une deuxième, comme ça je le finis.
Et j'utilise Nagino pour sortir du pattern parce que c'est assez chargé, hein, vous voyez ici. Tiens, je me suis fait toucher, j'ai même pas vu par quoi. Peu importe. En tous les cas, j'ai pas mal de bombes, j'ai encore 2 barres d'énergie, c'est largement suffisant pour finir le boss. Le boss principal, donc cette fois, c'est le dernier. Hein. 4 modules autour, c'est d'abord eux qu'il faut détruire parce que c'est l'enfer. Je balance des mines sur le premier, je claque une bombe pour finir le deuxième qui a touché quelques mines quand même. Hop, je peux carrément finir le troisième avec ma bombe. Je claque une série de mines sur le quatrième module, je suis tranquille. J'envoie quelques mines au centre, mais je prends Nagino, hein. Toujours la technique de l'appel. Encore une fois, attention, ça vient des côtés ici. Hein. Donc, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir reculer, d'ailleurs là je me prends une bêtement, vous claquez des bombes. J'avais 3 bombes, j'en claque une, il m'en restera 2. Voilà largement de quoi faire le ménage. Attention à la fin de ce motif, à la fin de ce pattern, à cette attaque qui est là. Voilà, ces espèces d'aiguilles noires, claquer une bombe, c'est quasi obligatoire. Il est très difficile, le placement est à chaque fois différent selon les parties. Et donc claquer une bombe, vous serez tranquille pour éviter ces aiguilles noires. Et puis voilà, le boss se termine tout à fait tranquillement avec cette technique de l'appel et les bombes qui vous restent. Et voilà, vous avez terminé Shikigami no Shiro 3, en tout cas en version console, puisque le Dramatic Change Mode, je le rappelle, n'est pas disponible sur PC. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de creuser un peu, que ça vous a montré que le jeu est quand même très accessible, hein, vraiment. Il y a, je sais pas, une dizaine, il y a 10 persos sur la version console. Vous trouverez fatalement votre bonheur. Il y a des attaques qui sont vraiment vraiment sympathiques. Il y a des façons de jouer qui sont vraiment sympas. Je vous renvoie encore une fois au tuto que j'ai fait sur le site. Il y a des vidéos qui expliquent comment scorer, comment utiliser le suicide aux meilleurs endroits, en tout cas pour scorer un maximum. Et ben voilà, j'espère que ça vous a donné envie de jouer, tout simplement. Et ben j'espère vous croiser sur le forum pour parler de tout ça. A plus, ciao !